Salut les amis. Alors nous sommes le 23 au matin, après une nuit. Alors cette nuit, le vent, il nous a fait un truc, mais il y a eu un moment où les conditions de vent étaient réunies pour faire de la vitesse. Mais à un point, j'ai jamais vu ça. Alors, pour vous résumer, hier, ça faisait 48 heures qu'on avait du vent d'ouest établi, avec, on va dire, du vent jusqu'à 25 nœuds. C'est-à-dire, on avait entre 18 et 25 nœuds, voire plus peut-être, parce que étant donné que j'étais en vent arrière, peut-être l'anémomètre ne me donnait pas exactement les bonnes mesures. Et ça avait levé des vagues de 3 mètres qui venaient d'ouest, dans le même sens que le vent. Et hier soir, en début de nuit, c'était prévu, hein, le vent est passé nord. Et le vent est passé nord à peu près 18-20 nœuds. Et on s'est retrouvé avec une mer formée d'ouest, avec des creux, je dirais 3 mètres, qui nous poussait. Nous, on faisait cap à l'est, et on avait du vent nord qui n'avait pas encore formé la mer, puisqu'il venait de s'établir. Il était à peu près, au départ, il était à 22 nœuds, et puis après, il a baissé progressivement. Donc au début, il faut bien voir ça. On faisait cap à l'est. On avait du vent nord et des grosses vagues qui nous poussaient ouest. Alors, vous imaginez pas là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous avez des vagues, quand on avait les vagues d'ouest avec le vent d'ouest, forcément, on était vent arrière, les voiles n'avaient pas un bon écoulement, ça partait dans les surfs. Et alors, quand ça part dans les surfs comme ça, en fait, avec les vagues et le vent qui est fort, le bateau, il a tendance à partir comme ça. Vous voyez, il fait bâbord, tribord, il tangue pas mal. C'est pas super confortable comme alliance. Et là, avec le vent de travers et les vagues dans les fesses, On a fait des surfs, mais l'avantage, c'est que là, le bateau, il ballotte plus, c'est-à-dire qu'il est calé sur son quart parce qu'il prend du vent de travers. Il a un bon écoulement parce que on n'avait pas tout à fait, on s'est mis grand large presque, mais avec les vagues dans les fesses. On a des surfs jusqu'à 15 nœuds. Non mais sans déconner, sur la tablette, il y a des vitesses max qui sont atteintes, j'ai jamais atteint ces vitesses-là. Alors évidemment, ça ne durait pas, hein. C'était le temps du surf. Dès que j'étais dans le creux de la vague, ça se ramollissait. Et puis quand j'arrivais sur le haut de la vague, je pouvais accélérer, enfin le bateau accélérait, c'était pas mal. Mais évidemment, c'était la nuit, donc on n'en a pas profité comme on aurait pu. Puis progressivement là, il s'est décalé progressivement, d'ailleurs assez rapidement, il s'est décalé en même pas 2 heures, il s'est décalé est, donc il s'est décalé beaucoup plus vite que ce qui était prévu sur le grib, et on s'est retrouvé avec du vent, ce qui était prévu mais un peu plus tôt, du vent d'est, donc étant donné qu'on va à l'est, c'est pas terrible, donc on s'est retrouvé au pré, et j'en descends vers le sud là. Alors c'est pas grave, parce que vu que j'ai la météo grâce à mon ange gardien, je sais que je descends au sud, mais c'est pas grave. Le vent va passer sud. Je sais que le vent va passer sud. Ce soir, le vent va passer sud. Et donc, je pourrais me mettre vent de travers grand large, direction les Açores. Bien, donc, je fais un angle, mais je sais que le vent, il va changer. C'est vrai que avoir la météo, avoir les fichiers grib, alors les fichiers grib, comme je vous ai dit, je prends les fichiers grib, mais 12 heures d'intervalle. Donc en fait, j'ai des fichiers grib, mais ils ne sont pas super détaillés. Je vois la tendance. Voilà. Et d'avoir quelqu'un à terre qui me donne un routage, qui confirme ce que je vois sur le fichier grib, et qui me donne en fait les parties que j'ai pas. Et en plus, avec son interprétation et la vue global du plan d'eau, parce que lui il a une vue globale du plan d'eau que moi j'ai pas, ça permet de, quand on fait un choix de route,
Parce qu'il faut savoir que sur Ukiva, les choix de route sont discutés avec l'équipage. Alors, pas avec les enfants, avec la capitaine et le second, moi-même, nous discutons les choix de route. On n'est pas toujours d'accord par rapport aux choix de route. Une fois qu'une décision est prise, il faut trancher, il faut y aller. Par contre, il faut quand même pas y aller tête baissée. Il faut toujours se dire, bah, si jamais on voit qu'on s'est trompé, pouvoir changer. Et là, en fait, l'avantage, c'est qu'avec mon ange gardien qui m'envoie régulièrement, il m'envoie la météo et il m'envoie un conseil de cap. Alors ça, c'est super. Je vois bien que sa façon de me router, il s'est adapté en fait à ma façon de naviguer. Au début, il me mettait vraiment des weapons. Alors peut-être que sur les petites navigations ou selon le temps, un weapon, ça peut être bien, mais je préfère vraiment la nouvelle façon dont il fait, où en fait il me donne un cap. Faut essayer de rester vers ce cap-là. C'est pas évident de router quelqu'un. Et je préfère en fait. Il a trouvé tout seul, c'est-à-dire que c'est pas moi qui. On en a pas discuté. Je me souviens pas avoir discuté de ça avec lui. Mais le résultat, c'est que il s'est vachement bien adapté parce que il s'est vachement bien adapté à ma façon de naviguer. Et maintenant, il me donne la météo avec une visibilité de ce qui va se passer et un conseil du style faut pas remonter à plus de 80. Parce que de toute façon, le vent qui arrive derrière va te permettre de remonter plus loin. Pour avoir moins de vent, il faut descendre. Et ça, souvent, alors, il y a plusieurs fois où ça confirme ce que je m'étais déjà dit. Et je dois avouer que dans beaucoup, beaucoup de cas, ça me permet de confirmer mon choix. Et puis de temps en temps, ça remet en question ce que j'avais prévu. Je reprends en compte tous les paramètres, ce qui me permet de faire un nouveau choix. Et puis d'en discuter avec l'IBA. Parce que sur ce bateau, les décisions sont discutées. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Peut-être c'est pas les impressions de l'IBA. Hier, j'ai quand même réussi pour un moment à avoir une moyenne sur. Je crois que c'était sur presque 200 000, une moyenne à 7,3 nœuds. Ce qui est pas mal. Hein. Une moyenne à 7,3 nœuds sur 200 000. Alors là, ça s'est effondré. Hein. Alors le restant de la nuit, là, on était à 3 nœuds. À 3-4 nœuds, parce qu'on est au pré et puis il n'y a que 10 nœuds devant. Oui, je voulais vous dire aussi, quand on est au pré, on le faisait pas avant, mais là maintenant on le fait parce que c'est vraiment. Enfin, j'étais le seul à pas le faire en fait. Quand on est au pré, je délaisse la cabine avant pour une cabine arrière. J'étais le seul quand on était au pré à aller dormir dans la cabine avant. Mais en fait, maintenant que j'ai goûté quand on est au pré à la cabine arrière, c'est pas la peine d'aller dans la cabine avant. Je voulais vous dire ça. Alors depuis quelques jours là. J'en ai pas parlé. Depuis la vidéo où on était au pré serré dans du fort vent avec la trinquette et la grand voile et que ça a tapé, vous avez dit que le plancher s'était soulevé, le plancher avant s'était soulevé avec les impacts des vagues. Et tout se casser la gueule. Le problème s'est posé que après la navigation de pré, on a enchaîné tout de suite sur du fort vent arrière avec le bateau qui n'était pas stable du tout. Des grosses vagues, des enfin bon. Et donc je me suis rendu compte que mes deux feux de navigation avant n'avaient pas du tout aimé le pré. Avec les grosses vagues qui tapaient et qui déferlaient sur le pont.
Alors pourtant, mes feux de navigation sont fixés sur mon balcon avant. Alors déjà, si j'ai un conseil, si vous fixez des feux de navigation, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre. L'idéal, c'est en haut du mât. C'est quand même ce qui se voit le plus loin, parce que des feux de navigation sur le balcon avant, dès que vous allez avoir des creux, bon par exemple, on avait 3 mètres, dans le creux, on voit rien, c'est pas la peine. Hein. Quand vous êtes en bas du creux, au loin, on vous voit pas. Et quand vous arrivez en crête de vague, il faut pas qu'il y ait une autre crête de vague plus haute entre vous et le bateau qui cherche à vous voir. Donc je pense que c'est pas super. L'idéal, c'est vraiment en tête de mât. À ce propos, j'ai vu qu'ils font une nouvelle ampoule. Chez VSD, ils font une ampoule. Elle n'est pas donnée, elle est à 70 euros l'ampoule. C'est quand même vachement cher. 75. C'est une ampoule qui se met en tête de mât. À la place de votre feu de mouillage, vous mettez cette ampoule. Alors, tenez-vous bien. Vous l'allumez. Vous l'éteignez, vous l'allumez. La première fois qu'elle s'allume, elle est en mode feu de mouillage. Donc si vous la laissez allumer en feu de mouillage en permanence, elle s'éteindra automatiquement le jour et s'allumera automatiquement la nuit. Après, si vous l'éteignez, vous l'allumez une deuxième fois, vous êtes en feu de navigation. Donc feu de navigation, impeccable. Et si vous l'allumez et vous l'éteignez une troisième fois, feu de détresse, elle clignote. Donc évidemment, pour passer d'un mode à l'autre, c'est très simple. On allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint. Voilà. Donc j'ai trouvé cette ampoule vachement bien. Elle n'est pas donnée, elle est à quand même 75 euros. Moi, j'ai regardé les feux tricolores à installer en tête de mât. En fait, c'est le prix du feu tricolore. En sachant que si vous voulez poser un feu tricolore en tête de mât, il va falloir repasser des fils pour ce feu tricolore. Donc cette ampoule me plaît bien. Je pense qu'à l'occasion, je l'achèterai pour avoir des feux de navigation tricolore en tête de mât. Ce que j'ai pas, et c'est un manque, hein, je le dis. Et donc mes deux feux de navigation ne fonctionnent pas. C'est pas très grave, j'allume. Alors j'ai des feux de navigation de secours, c'est-à-dire c'est des feux de navigation portatifs qui s'accrochent sur le balcon. Alors mon problème, c'est que c'est des feux qui marchent à pile, et si je commence à les utiliser dès maintenant, j'aurai plus de piles valables quand j'arriverai sur les Açores. Bon, faut savoir que là le trafic il est pas très dense. Tous les bateaux que je croise pour l'instant ont un AIS. J'ai pas croisé de bateau qui avait pas l'AIS. J'éclaire le pont. J'éclaire quand même mon pont et j'éclaire mon pont pour que l'on puisse voir mon bateau. J'éclaire mon pont pour que mon bateau soit bien visible. Alors, même si évidemment les intégristes vont encore me dire ouais, mais s'il y a un autre bateau qui croise avec toi, il va pas savoir dans quel sens tu vas. Bon, déjà faudrait un autre bateau qui n'ait pas de récepteur AIS. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui les voiliers qui croisent sans récepteur AIS, il n'y en a plus beaucoup. À la rigueur, les émetteurs, c'est pas encore tout le monde. Mais les récepteurs, j'ai pas souvenir d'avoir croisé un bateau qu'on n'avait pas. Donc les deux feux avant de mouiller. Donc j'attends avec impatience du temps plus calme pour pouvoir aller à l'avant pour chercher la panne. Alors ça peut être les ampoules, mais j'ai un doute parce que les deux feux en même temps qui marchent pas, ça fait un peu une coïncidence. Donc je verrai bien un faux contact. Alors j'espère que c'est juste les ampoules qui se sont déplacées dedans avec les impacts dans les vagues. Là, dès que le vent sera plus clément,
et que la houle ce sera aura un peu baissé. Ben là il y a 10 nœuds devant, donc normalement la houle va baisser, tout ça ça va baisser, je vais pouvoir me mettre à l'avant, démonter mes feux et regarder qu'est-ce qui va pas. Ça va le faire, hein. C'est pas si compliqué. Je voulais pas le faire hier, le bateau bougeait trop, j'avais peur de, en démontant, de prendre une grosse vague et de tout faire tomber à l'eau. Je préférais attendre un jour, voire deux jours, puisque ça fait plus de deux jours. Ouais, ça fait trois jours en fait. Ça fait trois jours. Je préfère attendre trois jours d'avoir une accalmie pour aller faire le con à l'avant avec le testeur sur l'électricité du bateau. Je pense que c'est un faux contact. Alors c'est ou un faux contact à l'avant, ou un faux contact sur le parcours, ou un faux contact dans le tableau électrique. Ou alors les ampoules qui sont grillées. Mais j'ai les deux ampoules grillées, c'est quand même des doutes. Ça me donne vraiment à réfléchir sur l'intérêt d'installer des feux de navigation sur le pont et également des feux de navigation dans le mât. Je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir les deux, de façon à pouvoir, en cas de panne de l'un ou de l'autre, dans du gros temps, avoir quand même un autre équipement. Vous avez toujours votre feu de mouillage, hein. Au pire, vous allumez votre feu de mouillage, c'est toujours mieux que rien. Mais je trouve ça assez bien, en fait, de doubler le système de positionnement en navigation. De façon à avoir, comme dans un avion, du secours, parce que quand les feux de navigation commencent à merder, c'est rarement par temps calme, mais c'est toujours à un moment donné où on en a besoin. Donc je trouve vraiment intéressant de doubler les feux de navigation pour avoir cette sécurité, l'ampoule grille ou il y a un faux contact ou n'importe quoi. Sachant que par exemple pour une rentrée au port, je privilégierais quand même les feux de navigation sur le pont par rapport aux feux de navigation en tête de mât. Par contre en pleine mer, je trouve ça plus intéressant d'avoir les feux de navigation en tête de mât. Ça me donne à réfléchir au fait d'installer les deux. Alors moi j'ai pas les deux, mais comme je vous ai dit, si je commande l'ampoule magique là chez SVB, je trouve ça pas mal quand même. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient également, bah oui mais votre ampoule magique et que vous, enfin l'ampoule que vous mettez dans votre dans vos feux de tête de mât avec plusieurs couleurs ou tout blanc, le problème c'est que plusieurs couleurs, il faut vraiment que la baïonnette soit correctement installée pour que le blanc soit bien derrière et le vert et le rouge, le rouge et le vert soient du bon côté. Alors en fait il y a une astuce, cette ampoule se règle, elle peut se tourner comme ça de façon à avoir vraiment à optimiser les angles. Donc ça, c'est quand même pas mal. Peut-être je vous filmerai la réparation tout à l'heure. Savoir est-ce que c'est un faux contact ou est-ce que c'est les ampoules.